Faites passer l'hôtel. Je vais faire une sauvegarde, mais pff, ça va. Non! Le jeu s'est encore fermé! C'est pas possible! J'aurais pas dû faire ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans le titre, nous retrouvons sur Two Point Hospital, donc qui est un très vieux jeu de base. Et lors de l'E3 2018, en fait, ils avaient annoncé du coup le remake en fait de Two Point Hospital. Je ne l'ai pas encore lancé, j'ai juste vu le trailer qui m'a fait rire, puisque c'est typiquement le genre de conneries que j'aime faire. En fait, on va se retrouver à être dans un hôpital, à soigner des patients, mais c'est tout et n'importe quoi. Faut voir la gueule de l'opération du patient. Donc on sait que j'ai déjà opéré des patients sur Surgeon Simulator, ça s'est très bien passé, hein, Monsieur Martin s'en souvient encore, il va très bien ce jour. Voilà, une jolie écharpe pour Monsieur Martin autour du cou. Impeccable, ça c'est beau ça. Et donc là, on va commencer maintenant une nouvelle partie, voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir. Alors. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. 52%. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners. C'est n'importe quoi. Many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. C'est n'importe quoi. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Commencez votre carrière de directeur d'hôpital, apprenez les bases en construisant votre premier hôpital. Ok, donc on va commencer maintenant à construire notre premier hôpital. Je sens que ça va être n'importe quoi. Les patients, je ne sais pas dans quel état ils vont sortir, je suis pas la spécialiste par rapport à ça, hein, mais bon. Êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et à guérir des patients? Bien sûr. Explorez l'hôpital, commençons par les bases. Vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Pour déplacer la caméra, maintenez, bon ok, ça c'est les bases. Les bases, j'ai pas trop besoin de les... On s'en fout un peu. Donc on va essayer de le centrer au maximum. Le truc, tu sais, trop collé, quoi. Le client arrive. Bonjour, vous voulez quelque chose? Alors, on va laisser comme ça. On va prendre Naomi à ce compte-là. On va l'embaucher, hein. Allez, Naomi. Oh putain, c'est n'importe quoi. Regardez comment on l'a... Allez, Naomi, on va travailler maintenant, hein. Allez. Hop. C'est bon? J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Je l'ai mis à l'envers. Attendez. Je l'avais foutu à l'envers, j'ai seulement mon apercevoir. C'est bon, Naomi, tu peux retourner travailler. Ok, on va mettre la première salle de médecin. Attendez, mais il faut penser au fait aussi que... Ça, c'est le cabinet, mais il faut une salle d'attente. On n'est pas con. Hein. Donc, si on peut faire un truc, on peut faire comme ça. Ok, là, on est pas mal. Ajouter la salle. Comment on fait pour attraper les... Non, t'as juste à poser comme ça. Là, on est bien. Là, on peut prendre ça. On peut le placer comme ça. Et là, on est OK. C'est une petite salle. Je suis d'accord. C'est une petite salle. Qui demande le docteur? OK, maintenant, on va embaucher un docteur. Ça commence à me coûter cher, ces conneries. Hein. Allez, grand, tu viens là. Ah, tu vas travailler maintenant. Voilà. Hôpital ouvert. On met pas des chaises? OK, on a notre premier patient, les amis. Ça y est. OK, premier patient. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle s'est endormie? Il, elle, je sais pas. Il va au médecin, c'est bon ça. On va diagnostiquer un patient. Alors attention, il s'assoit. Monsieur, comment vous allez? Bah écoutez, moi ça va très bien. Bureau du généraliste, modifié, fermé, vendre. Ok. Nous avons diagnostiqué notre premier patient. Le généraliste vous a envoyé un message, vous devriez aller le lire dans la liste en bas à droite. On dirait que nous allons avoir besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, ciment. Le ciment se transmet principalement par les joints de carrelage des salles de bain. On le guérit facilement grâce aux médicaments modernes alors qu'il devait être enlevé au burin par le passé. Le patient cherche à se faire soigner, il nous faudrait une pharmacie pour le traiter. Sa construction coûtera 7600! What? On va faire attendre le patient. Tout simplement. Et vite, on va aller ouvrir une pharmacie. Vite, construisez une salle. Pharmacie. Ok, la pharmacie, du coup... Le patient n'est pas bien. La pharmacie, on va la mettre ici. Hein. Je trouve que ça peut être un bon truc. Bam. Juste là. La pharmacie, elle est là. Comment on switch les... Comment j'avais dit? Ah, c'est comme ça. Merde! Il faut que j'embauche un infirmier! Embaucher, vite! Infirmier! Qu'est-ce qui se passe? Mon jeu s'est fermé! Non! Mon jeu s'est fermé! Non, faut tout recommencer! Bon, nous voilà les potes, du coup j'ai dû recommencer la partie parce que ça n'avait pas sauvegardé, le jeu a crash, j'étais dégoûté! Embaucher un infirmier, merde, c'était ça qu'il nous fallait!
Fallait qu'on embauche un infirmier, c'est là que ça a craché. Hop, j'embauche. Allez-y, madame. Dedans, c'est parti. Attendez, je sauvegarde de nouveau parce que... Non, mais pourquoi le jeu se ferme? Ça n'a pas sauvegardé. C'est une blague? Tiens, quand ça coupe comme ça. Parce que du coup, ça me fait perdre mes sauvegardes à chaque fois. Ça fait carrément cracher le truc. Alors, c'est comme ça qu'ils font les médicaments ici. Ils shake, ils shake, ils shake. C'est n'importe quoi. Ok. Bon, tout a l'air de bien aller. Voici votre médicament, monsieur. Pas de problème. Ok, votre gobelet. Ah, il le boit direct comme ça, le mec. Patient guéri, beau travail. Nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et la réputation de notre hôpital a grimpé, ce qui attira d'autres patients. Donc là, le patient est content, hein, parce qu'il a été soigné, il est content. Donc maintenant, tu passes à la caisse, tu mets ta carte vitale. Agent de maintenance et entretien. Maintenant que nous disposons de machines au prix élevé, nous devrions envisager de les entretenir. Les machines se détériorent à chaque utilisation et doivent être réparées de temps en temps. Si une machine devient trop usée, des incendies peuvent se déclencher. Les incendies sont en général mauvais pour les affaires. Embaucher un agent de maintenance afin d'entretenir les machines et placer aussi quelques extincteurs dans l'hôpital. Vaut mieux dépenser cher, mais au moins il répare bien. Ouais. Allez-y monsieur, réparez, comment tu les prends comme de la merde. Et après on va placer des éléments, donc des extincteurs, ils nous disent de placer deux extincteurs. Donc je vais en placer un dans cette salle-ci. Et un dans cette salle-ci. C'est un peu bête, sachant que c'est un truc de médecin quoi, donc non on va le placer là. Les agents de maintenance iront réparer les machines lorsque leur niveau de maintenance passe sous la barre des 50%. Vous pouvez également demander à un agent de maintenance de réparer une machine immédiatement depuis les options. Placer deux bancs. Ben c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, placer des petits bancs. Un banc ici et un banc là. Ok. Maintenant, faut placer un présentoir à brochures. Évidemment, pour pas que les clients s'emmerdent. Donc, un présentoir à brochures. Ah oui, d'accord. Super, le présentoir à brochures. On s'amuse. On va le mettre ici, sur le côté. Ok, maintenant, faut leur placer un distributeur de soda. Il commence à nous faire chier, quand même. Donc, un distributeur de soda. Et de toute façon, un distributeur en cas aussi. Donc, c'est la grosse soirée. Donc, on va les mettre ici, à l'entrée, quand même. Comme ça, direct à l'entrée, les gens, ils voient ce qu'il y a. Et maintenant, un distrib en cas qui me coûte aussi des thunes, forcément. Voilà, c'est bon. On a tout ce qu'il faut ici. Donc, ils devraient être contents, les gens. Je pense qu'ils vont pouvoir manger... grailler comme ils veulent, il n'y aura pas de problème. Afin de soulever un élément, placez la souris dessus et maintenez le bouton gauche et cliquez... Ah ! Énergie du personnel. Construisez une salle de repos. Ok, on va vous faire une salle de repos. Donc, la pharmacie, j'aurais peut-être dû la faire à côté pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire une salle et salle de repos. La salle de repos, où est-ce qu'on peut la faire ? Là, c'est une bonne salle de repos quand même, hein. Faut pas déconner, hein. Les membres du personnel se rendront à la salle de repos lorsqu'une pause s'impose. Remplissez la salle d'éléments utiles afin de les aider à mieux se reposer durant leur pause. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je laisse la musique ou pas pour la prochaine fois, parce que là c'est la radio en jeu en fait. Je sais pas si ça vous gêne ou pas. Pivoter, moi ça m'emmerde un peu perso, donc j'ai baissé le son, mais pour vous dites-moi. Bonne nouvelle, vous avez guéri 5 patients au total. Chaque guérison augmente notre réputation, ce qui attire encore plus de patients à l'hôpital. Agent a tout à fait... Ok. Alors, construisez une salle toilette et placez deux poubelles. Donc, les toilettes, on va les mettre à côté de la salle de repos, à la limite. Hein. Toilettes, faut pas non plus des grandes toilettes. Hein. Je pense que ça, c'est bien, non? Non, quand même, c'est des toilettes. C'est important de faire un côté pour les filles, un côté pour les garçons. Non! J'ai encore mon jeu qui s'est fermé! C'est pas possible! Les amis, moi j'en peux. Pour lui, je ne sauvegarde jamais ma partie. Voilà. Écoutez, c'est très bien comme ça. C'est n'importe quoi ces toilettes, on peut en parler? C'est n'importe quoi. Elles sont cool n'empêche, mais c'est n'importe quoi quand même. On va essayer de faire sauvegarde rapide, mais la sauvegarde rapide ne fonctionne pas du tout en fait. Je sais pas pourquoi la sauvegarde rapide... Ça ne marche pas. J'aimerais bien changer un truc quand même. Parce que là, c'est la taille des toilettes. c'est très petit, quoi. On est d'accord? Voilà, juste un lavabo seulement. Faut pas déconner. Un lavabo. Et une poubelle là, une poubelle là. Et puis c'est marre. Diagnostic supplémentaire. On nous rapporte la présence de nouvelles maladies en ville. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. Vous aurez peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. Ok. On va mettre ça en plein milieu. Avec ça sur le côté. C'est très bien là. Donc par contre j'imagine qu'il faut embaucher quelqu'un spécialisé. Un docteur. On va prendre un docteur du coup, un médecin général. Faites passer l'hôtel. Je vais faire une sauvegarde mais pff, ça va... Non! Le jeu s'est encore fermé! C'est pas possible! J'aurais pas dû faire ça.
Et voilà, c'est reparti. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là, je déteste vous sortir une vidéo où à la fin je suis frustrée. Et là c'est ce qui arrive, je suis frustrée pour la fin, puisque le jeu fait que de se fermer, je fais que de recommencer la partie, donc au bout d'un moment ça devient chiant de recommencer en boucle. Donc je vais essayer de voir d'où vient ce problème, si vous le savez n'hésitez pas à me le lister dans les commentaires, ça me fait chier. Je suis dégoûtée. Je sais pas d'où vient ce problème, je suis dégoûtée parce que bah, j'ai envie d'avancer dans le jeu et à chaque fois ça se ferme et je perds ma sauvegarde automatiquement. Donc, je suis dégoûtée. Donc les copains, j'espère entendre que cette vidéo sur Two Point Hospital vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, la prochaine partie qui arrivera, je vous demande même pas si vous voulez une prochaine partie, il y en aura une, puisque ça me frustre de pas pouvoir la faire comme je veux là. Donc il y aura une prochaine partie, la prochaine partie que vous allez voir sur la chaîne, elle fonctionnera, mais ça m'embête de voir un problème pareil, ça m'énerve. Donc du coup, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux comme d'habitude, à Twitter, à Instagram, notamment aussi à YouTube, à vous abonner si la vidéo vous a plu, même si je suis quand même dégoûtée de ce qui est arrivé là. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et vous inquiétez pas, on va reprendre notre revanche Two Point Hospital. Gros bisous, ciao.